Un scandale risque d'éclabousser des joueurs des clubs de football dans le monde entier. Un vaste réseau de corruption dirigé depuis Singapour aurait engrangé près de 8 millions d'euros en organisant des paris sur des matchs truqués. C'est ce que révèle Europol. 380 matchs auraient été truqués en Europe et 300 dans le reste du monde de 2008 à 2011. Les enquêteurs d'Europol ont coordonné les multiples investigations policières en Europe en se basant sur leur propre examen de 13 000 courriels et d'autres documents, a expliqué le directeur d'Europol. La vaste enquête a permis de lancer des procédures judiciaires dans les pays concernés. En tout, 425 responsables de clubs de football, joueurs et membres du réseau de corruption pourraient être poursuivis, mais Europol ne souhaite pas dévoiler le moindre nom pour le moment. Trois matchs éliminatoires de Coupe du Monde pourraient notamment avoir été truqués.